Bonjour, bonjour. Donc, j'ai un message pour quelqu'un, quelqu'une. Ça dépend de, tu vas te reconnaître en tout cas. Spirituellement, tu es dans une saison où tu dois laisser partir beaucoup de personnes. Même pas amoureusement, hein. Tu dois laisser partir beaucoup de personnes pour pouvoir avancer. Donc, ce que le Seigneur m'a montré, c'est quoi? Il y a des attaches émotionnelles, des attaches d'âme que tu as avec certaines personnes. Genre, il y a une femme qui t'a aidé il y a de cela 5 ans quand tu étais dans tel endroit. Même pas qu'elle t'a aidé, mais elle était juste là. Ou bien tu as eu pitié de quelqu'un, tu l'as pris chez toi. Et depuis un certain temps, tu sens dans son énergie que la personne est en train de devenir... Vous savez, quand quelqu'un ne t'aime plus ou quelqu'un n'a plus un bon cœur sur toi, ça se sent. Donc du coup, la personne que au départ, cette personne était simple, elle te remerciait de l'avoir hébergée. Elle te remerciait d'avoir peut-être payé la pension de son enfant. Cette personne est devenue, genre, c'est ton devoir. Tu ne fais pas pourquoi. Je ne sais pas si vous voyez un peu la sensation. Tu es dans cette phase où ces personnes sont en train de t'alourdir. Et ça t'embête parce que tu pensais que certaines relations sont pour la vie. Il y a des personnes qui sont dans ta vie pour des saisons. Et quand tu comprends les saisons des gens, tu avances. Maintenant, tu dois beaucoup fonctionner avec le feeling. Pas que tu changes d'avis à tout moment, mais tu dois te laisser... guider. Donc, bonjour, bonjour à vous. Bonjour, monsieur le soleil est là. Vous le voyez, il est là. Que si on a fait des amoureux, c'est un jour comme les autres. On s'aime tous les jours, donc voilà. Ce message est important parce que tu as fait beaucoup de prières. Oh Seigneur, aide-moi, Seigneur. Et à chaque fois que Dieu te donne un élan, tu as l'impression que cette personne vient gâter. Je ne sais pas, bonjour la reine Amel, bonjour la reine Pélagie, bonjour Gianni, bonjour Cabral, Marie-Laure, bonjour Sylviane, bonjour Laure. Je ne sais pas comment vous dire ça. Même si c'est quelqu'un de ta famille, la personne va comprendre que tu es en train d'avancer. Pas au départ. Avant, quand tu faisais tout, ta mère voulait savoir. Ta mère voulait savoir. Oh, ma fille, tu fais quoi? Dis-moi alors ce que tu fais. Le matin, elle t'appelle à 6 heures. Tu vas faire quoi aujourd'hui? Et tu disais aussi. Tu ne sais pas que comme tu disais là comme ça, ta mère influençait tes décisions. Si vous lavez avec le sel, vous faites votre travail spirituel, vous avez semé, Seigneur, je sème cette offrande pour avancer, je sème. Dieu va vous montrer les personnes qui doivent sortir de votre vie. Maintenant, je veux vous dire de ne pas culpabiliser. Ne culpabilisez pas si vous mettez quelqu'un à sa place dans votre vie. Beaucoup de personnes dans ta vie actuellement se sentent, en anglais on dit entitled, genre j'ai droit à ça. Parce que tu as tellement parlé que je vais, tu connais déjà des mecs qui promettent toujours, je vais te taper. Elinja, Edith Soraya, bonjour, Tim, bonjour.
Mini, bonjour. Aristide, bonjour. Tu vois, la mère promet tous les jours, je vais te taper, je vais te taper. Ce qui fait que quand elle dit à l'enfant que je vais te taper un jour, l'enfant dit, ah, maman dit ça chaque jour. Ah, elle a encore dit qu'elle va nous taper. Pour avancer dans ta nouvelle saison, tu dois couper les énergies de ces personnes. Tu vas quitter ici, là. Il y a des travaux aussi, ça. Ils font trop de bruit. Aïe. Pas l'énergie de tout le monde dont tu as besoin. Oh, j'ai un cocorico là-bas devant. Il chante. C'est ça qu'il veut m'asseoir. Monsieur Aristide, je cherche ton numéro. Je ne parle pas de toi. Aristide Kamounier, j'ai cherché ton numéro l'autre jour, je voulais te souhaiter bonne année, je n'ai pas trouvé. J'ai même écrit, comme tu as tellement de secrétaires maintenant là. Aristide, bonjour. J'espère que tu vas bien. Bon, je te passe le bonjour ici. Tant mieux, c'est déjà fait. Je voulais te souhaiter la bonne année. J'ai écrit sur ton ancien numéro, mais ça n'a pas répondu. Bon. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui va vous porter pour vous amener là où vous êtes en train de partir. C'est pas tout le monde qui sera avec vous. C'est pas tout le monde qui a même le droit d'assister. Et Dieu sait que parfois vous avez la volonté. Parfois tu as le bon cœur. Tu vois, tu restes, tu te dis, ouais, je ne peux pas quand même laisser. Écoute, le bon cœur que tu as fait faire là, c'est là-bas que ton piège sort. Alice, bonjour. Le bon cœur là, c'est de là que tes problèmes sont en train de sortir. Et si tu n'es pas attentif, tu vas te retrouver en train de ramer sur place. Tu vas te retrouver en train de... Alors, la fête d'énergie là est tellement... Parce que ces personnes-là sont déjà ancrées dans ta psychologie. Ces personnes jouent sur ton mental. Et tu ne sais même pas. Parfois, c'est une grande sœur. Tu sais, tu es ma petite sœur chérie. C'est moi, j'étais portée quand tu étais petite, j'ai changé tes couches. Voilà ce qu'elle utilise sur toi. C'est pour ça que vous devez faire attention aux personnes qui vous donnent de l'aide quand vous êtes dans le besoin. Parce que la petite aide que la personne te donne là, ça peut devenir le bâton que la personne utilise pour te faire mal demain. Et moi, je t'ai aidé après tout ce que j'ai fait pour toi. Hein? Donc voilà, tu es bloqué. Tu ne peux pas renvoyer la personne. Tu ne peux pas dire à la personne de quitter, de partir de chez toi. Tu ne peux pas chasser la personne. Ericia Madeleine et puis Étoile, bonjour. Parfois, c'est des visionnaires que quand tu as commencé ta chose, vous avez commencé ensemble. Mais la personne avait les idées derrière sa tête. Tu vois, comme toi, tu disais, bon, voilà, on va avancer, on va ouvrir le magasin ici. On va aller, ça va donner comme ça. Dieu va nous aider. Mais la personne était là. Tu vois, vous êtes en banque. Vous venez ici là, ouvrir vos business. Vous laissez aux gens, non. Tu ouvres, tu viens, tu laisses, non. Tu as pris tes 14 000 dollars, tu as mis dedans. 20 000 dollars, 20 000 euros. Le plan de la personne, c'est que chaque mois, elle va se taper, c'est 1 million de mois sur ton business. Tu es là, tu expliques ta vision à la personne. On va faire ça, on va faire ça. N'aie pas peur de venir là-bas, tu prends tes clés dans les mains de la personne. Tu dis, sors de mon business, tu fermes ton magasin. Dans cette saison de ta vie, tu dois sortir des abus de confiance dont tu as été victime. Et ces abus de confiance, ça vient avec du chantage émotionnel. La personne a peut-être vu galérer. Faites très... Aïe, 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 aïe.
C'est pour ça que moi je suis transparent. Je dis, tu ne peux rien utiliser contre moi. Tu vas utiliser quoi? Que j'avais pas. Oui, je vous savais que j'ai pas eu les papiers pendant une période de ma vie. Tu vas utiliser quoi? Jenny, Emily, Mercure, bonjour. Tagro, bonjour. Randy, bonjour. La fille qui s'appelle mon Dieu là, bonjour. Je l'ai connue quand elle n'avait rien. Ne vois pas comme maintenant, elle a. Je l'ai connue quand elle n'avait rien. N'est-ce pas, c'est toi qui n'avais rien? Oui, je n'avais rien. Mais. Monsieur le coq, je ne t'ai pas nommé. Tu n'as pas de nom. On nomme plus les coqs ici là. Tu as compris, donc tais-toi. Ce qui fait que tu te retrouves dans un tourbillon émotionnel et tu n'as pas le choix, mais c'est comme si tu, même dans tes réflexions, c'est pour ça que vous devez avoir l'indépendance émotionnelle et l'indépendance spirituelle. Apprenez à être indépendant, c'est-à-dire tu veux prendre tes décisions. Afin que tu faisais avant, tu demandais à telle personne que je fais comment. On achète quelle couleur? On dépose où? On fait comment? Arrêtez vos bêtises là. Ouais, c'est comme ça qu'on vous manipule. Assume tes décisions. Assume les erreurs qui viennent avec les décisions. Ça va te donner une indépendance émotionnelle et spirituelle que tu n'as pas encore eu avant. Dieu m'a envoyé ce matin pour te dire que il est temps que tu laisses les personnes à partir. Coupe-les. Votre problème, c'est que souvent vous restez, vous dites, ah, je ne peux pas imaginer ma vie sans la personne. Il me dit toujours que si la personne la meurt ce soir, demain je vais vivre, non? N'est-ce pas? Si la personne lui-même dit que je ne veux plus être avec toi, si la personne te quitte, il part rester avec une autre personne, tu vas vivre, non? Tu vas survivre, non? Bonjour Carole. Bonjour Annie. Parce que parfois, sans le savoir, vous vous laissez handicaper par des gens. Quand vous prenez vos décisions, ces personnes sont là. Quand il dit que je vais faire telle chose, il fait pourquoi je te tourne, tu dis que c'est quoi? Il te dit, ah moi je pense que tu dois faire comme ça. Qui te donne le droit de venir parler dans ma vie? Si ce n'est moi. Qui a donné ce droit si ce n'est toi-même qui a porté ton droit pour donner à la personne? Bon, il faut que vous tapotez le direct et vous mettez les... Mettez peut-être bonjour ou un truc comme ça là. Parce qu'il faut que... J'ai l'impression que ça bug. Aller dans la prochaine étape de ta vie, tu as besoin d'être concentré sur ce que tu sens dans ton cœur, sur ce que Dieu te dit, sur ce que tu as vu au départ. Et ce n'est pas tout le monde qui vient à côté de toi qui fait comme s'il te comprend, qui te comprend. Ah oui, c'est là-bas que tu pars. Et faites attention, il y a d'autres personnes que parfois, comme j'ai dit là, tu donnes la clé de ton business de 20 000 dollars. Tu laisses la personne là-bas. La personne fait comme c'est lui le patron. Une dame est venue la semaine passée me raconter son histoire où elle me disait qu'elle a ouvert le business. Elle part pour voir le bailleur. Et elle vit ici. Elle part, elle voit le bailleur. Elle donne l'avance de loyer. Elle envoie sa belle-sœur d'aller payer le reste. La belle-sœur arrive, elle change le nom sur le contrat de bail. Elle met son propre nom à elle, la belle-sœur. Où est le mépris? Parce qu'elle dit que non, c'est elle qui est la bosse. C'est moi. Non, c'est ma belle, c'est moi la bosse. Alors que tout l'argent sort de la dame. Imagine comment elle va faire avec les employés.
Parce que cette dame qui voulait ouvrir son activité, elle travaille ailleurs. Elle a un bon salaire, tout ça là. Donc, l'argent qu'elle prend là-bas, c'est ça qu'elle va ouvrir l'activité à côté. Tu vas ouvrir ton business, quelqu'un va venir s'asseoir. Quelqu'un va venir s'asseoir sur ton business. Fais le grand. Viens crâner. Bonjour, petit papillon. Ça va? Et c'est fou parce que c'est toujours les gens qui n'ont pas travaillé pour quelque chose qui vont vouloir crâner pour la chose. Tu as donné ta voiture. Voyage un peu, tu laisses ta voiture à ton petit frère pendant 2 jours. Bertin, bonjour. Donne ta voiture à ton petit frère 2 jours. Tu vas voir. Il va même fermer la porte avec sa chaussure. Il va sortir de ta voiture, il va fermer comme ça. Il va pousser avec le pied. Il arrive quelque part, il dépose la clé sur la table, il secoue les clés comme ça. Alors que toi-même. Non, j'avais un chauffeur là. C'était l'année surpassée. Le gars là était trop plein de lui-même. Hey, on dit en anglais, he was full of himself. Il te dit que je vais aller laver la voiture. Tu dis que va laver la voiture, c'est Abunamou, ça dit non. Non. Il va aller laver loin là-bas, en face du commissariat du 12e là. C'est là-bas, c'était son quartier, c'était là-bas. Il part là-bas avec la voiture parce qu'il sait que c'est son quartier. Voilà, il part, il met. Oh my God. Hey. Il y avait aussi un autre endroit à Bépanda là-bas où il partait. Il arrive, il dit, oh petit, lave-moi bien les roues là. Quand je voyais ça, ça me faisait bizarre. Je disais que. Le soir, même pour garer la voiture, il me dit que non, il y a un parking qui est à côté de chez moi. Comme je viens de chez moi, qui vient te chercher le matin à 6h30. Au lieu de prendre le taxi pour venir ici, là, donne-moi la voiture, je pars, je garde dans le parking. Tout ça parce qu'il voulait, il arrive là-bas, on le voit. C'est la giturie. Pendant que toi, tu es focalisé sur comment produire l'argent, comment faire pour acheter notre voiture, comment faire pour faire ceci. Non. Il faut qu'on me voie. Florence, bonjour. Roseline, bonjour. Non, il faut qu'on me voie. Il va venir pour garer. Il te dépose. Il part, il tourne là où il sait qu'il y a ses amis qui vont le voir là. Maman, il y a les oiseaux dans mon arbre. J'ai un arbre ici à la maison. Mais c'est le marché de Mokolo. Il y a les oiseaux dedans jusqu'à. Il ne bavardent même pas encore. Tu vois, il s'engueule ici là. Je dis que soit je reste comme ça, je regarde, je dis que mince. Et ce sont les signes. Ce sont les signes. Tatiana, bonjour. Tu prends souvent quelqu'un comme ça, là, tu donnes une position dans ton entreprise. Que bon, comme je vais voyager pour un mois, j'ai moi telle chose. Eh ouais. C'est ça que tu veux voir. C'est moi, vos patrons ici, hein. C'est moi, c'est comme j'ai dit. Et tu vas voir que ces personnes-là, c'est seulement le pouvoir qui les intéresse. Maman, les oiseaux ici, là, ils... ils sont dans 2 arbres maintenant. Avant, ils étaient seulement dans celui-ci. Maintenant, ils sont dans le 2e, là. Bavardez pour vous là-bas. Moi-même, je bavarde ici. Et quand je pour moi ce sont les signes. Ce sont les signes en fait qui me font détecter. C'est vrai que quand tu vas voir les gens au départ, ils vont beaucoup prétendre. Non, je suis humble. Non, tu vois. Non. C'est tout ce que tu me dis de faire que je vais faire, tata. Et non, tata, c'est tout ce que tu dis de faire que je vais faire. Voilà. Donne-lui la clé de la voiture. Comme tu passais souvent, tu voyais même le vigile là, tu donnais même 500. Il va insulter même le vigile. Lave bien la voiture là. Regarde les roues. Tu vas pas bien laver quoi. Hein? Et ce sont les signes que vous ne devez pas ignorer. Parce que ces personnes parfois masquent tellement leur jeu. Mais les petites, ce sont des petites failles. Moi je pense que ce sont des petites failles. Que ça va un peu comme la leak in the system.
une faille dans le système. Quand tu as le discernement très tôt, tu peux voir. Bertin Djongan, tu sais que ce sont les difficultés quand tu travailles avec les gens. Mais je ne veux pas vous mentir, il y a aussi des gens qui sont humbles. Et peut-être au départ de ta marche avec Dieu, ou bien je sais pas, de ton business, tu n'avais pas le choix. Ou bien tu ne connaissais pas les intentions de leur cœur. Mais quand tu commences à... Parce que je vous parle comme ça pour que vous puissiez... Ça résonne un peu dans votre esprit. Avec le temps, tu vas arriver à un certain niveau, Dieu va te montrer que laisse partir cette personne. Bonjour Hervé, laisse partir telle personne. Laisse partir telle personne. Et quand tu vas laisser la personne partir, tu vas voir comment ton énergie va se faire revenir. Parfois même l'énergie dans ta maison. Ta nièce qui est chez toi depuis 2 ans là. Je ne vais pas rentrer dans les histoires tordues. Une femme qui a sa soeur vient vivre chez elle. Après, sa soeur fait l'enfant avec son mari. J'ai écouté ça sur la page du milliardaire Bandounet. J'ai ri jusqu'à... Sa soeur vient faire l'enfant avec son mari. Après, sa soeur déménage même. Elle devient la deuxième femme de dehors. Sa propre soeur. Je suis sûr qu'à un moment, hein, l'esprit de la femme, là, elle a vu. Il y avait des signes. Mais elle a ignoré les signes. Kali, bonjour. Parce que Dieu va toujours vous montrer. Ça veut dire que quand tu voyageais là, ou bien les jours où quand tu pars au boulot, ton mari reste, il dit que non, il va commencer tard. Dès que ta petite soeur accompagne les enfants à l'école, il reste un temps, ça devient leur maison. Vous serez, écoutez, le cœur de l'homme est tellement mesquin. Mesquin, je dis bien mesquin. Si bien que quand ces personnes vont voir qu'ils ne peuvent plus vous utiliser, ou bien s'ils vont voir que, par exemple, cette fille-là, quand elle est arrivée sûrement pour entrer chez eux, la femme a dû intercéder à son mari. La femme a dit, ouais, dis, ouais, chérie, ouais, c'est ma petite soeur, non, ouais, ouais. Maintenant, quand elle est entrée à la maison, elle a mis son pied dans la porte. Elle n'a plus besoin de sa soeur. Elle est montée directement au mari. Quand ces personnes vont voir qu'ils n'ont plus besoin de vous, oh là là. Vous allez voir leur vrai comportement. Moi, je dis toujours, hein, refuse quelque chose à l'enfant pour voir le caractère de ton enfant. Tu viens comme ça à l'enfant et là, tu dis que je ne te donne pas. Okay. Tu prends ta chose, tu manges. Tu sais qu'il y a l'autre dans la voiture que tu vas lui donner après. Après, tu l'appelles que viens me donner le jus qui est là-bas au frigo. Vois un peu l'attitude de l'enfant. Tu vas voir ton enfant là, tu vas voir son vrai cœur. Si l'enfant vient, il commence à se fâcher. Pourquoi elle m'envoie? Elle m'a pas donné, elle m'envoie pourquoi? Ou bien si l'enfant vient, tu dis, oh maman, tu veux le jus? Sachant que tu n'as pas donné ta viande que tu es rentré avec elle. Et je vous dis, on ne change pas le cœur de quelqu'un. Oui, Carla, tu as bien dit, les masques finissent toujours par tomber. Et il y a certaines personnes qui, en attendant d'accéder, comme je prends toujours l'exemple de la femme avec le mari, en attendant, la soeur, en attendant d'accéder à son mari, sûrement elle faisait du lèche pour la femme. Quand sa soeur parlait, peut-être elle faisait ce que sa soeur disait. Quand elle a eu accès maintenant au mari, c'est là que tu as vu son vrai cœur. Et vous serez surpris de voir le nombre de personnes qui sont avec vous en attendant d'attraper mieux. Le jour où la personne attrape mieux, tu regardes comme ça, tu dis, qui est John, bonjour. Viviane, bonjour. Catherine, merci pour les cœurs, bonjour.
Et choisis, hein, le truc avec les choisis, c'est bien à côté de vous. Il y a un matin là au village. Je n'aime pas son esprit. Hein. Quand j'arrive au village, je ne sais pas comment elle fait pour entendre. Le réseau de doigts là. Si vous voulez là, vous êtes là, dites seulement je suis là. Mamma mia. Je parlais de la mère qui est au village là. Quand la mère là arrive, quand j'arrive au village, elle parlait dans un coin de sa cour. Elle retire deux patates. Deux patates. Elle vient, elle me donne. Elle s'assoit que devant la porte de ma chambre comme ça. Maman, c'est grave. C'est comme si tous les oiseaux là sont réveillés, cela. La mère s'assoit devant ma porte comme ça. Là. Elle peut rester devant la porte pendant 6 heures de temps. 6 heures de temps. Je monte, je descends, elle me regarde. Elle dit que je t'ai apporté la nourriture, je t'ai pas vu. Vous aurez aussi ce genre de personne. Je vais vous montrer, je vais pointer là-bas, vous allez voir. Donc vous aurez ce genre de personnes qui vont venir vers vous, sachant que tu as un bon cœur. La personne va venir avec les arachides de 1000 francs. Bonjour Ruth. La personne vient avec les arachides de 1000 francs. Parce qu'elle sait qu'en partant, tu vas lui donner 40 000. Il y a cet esprit-là que ça me... Je n'ai même pas senti ça à côté de moi. Elle vient avec quelque chose de nous. Donc, c'est même limite, si elle ne vient pas bras ballants. Et quand elle vient, elle a tous les problèmes. J'ai ma tante qui a eu ça. J'ai mon cousin qui a eu ça. Ah, tu sais, les enfants ne sont même pas partis à l'école. Hein. Oh, tu sais, il y a ça qui ne me demande. Oh, tu sais. Et avec un mec, toujours genre, tu dois m'aider. Bonjour, lumière. Tu dois m'aider. Et la personne sait que quand elle va parler comme ça, là, ça va faire un jas sur ton cœur. Après, tu vas dire, bon, même l'autre là, tu dois arrêter. Il dit que l'autre là, tu dois arrêter. Arrête. Arrête de sortir ton énergie, parce que ton argent c'est ton énergie. C'est déjà des personnes qui peuvent facilement prendre ton argent pour aller travailler sur toi, pour te faire du mal. Parce que même quand l'argent sort, tu te sens forcé. Tu ne donnes pas de gaieté de cœur. Et vous serez surpris de savoir ce que ces gens-là planifient contre vous. Je serais surpris de savoir ce qu'ils planifient contre vous. Parfois, les lettres regardent comme ça, ça finit par l'âme, comme toi. Tu viens au village, elle te guette. Elle a tellement besoin que tu donnes 5 000. Si les 5 000 là, elle va aller retirer une partie, elle va aller donner. On va travailler contre toi. Parce que ça l'énerve que tu sois la seule dans le quartier qui soit partie en bain. Fais très attention. Ces personnes, c'est pour ça souvent que tu restes comme ça là. Après, quand tu découvres que telle personne t'avait voulu du mal, tu dis mais comment? Les gens là, hein, ils ne se basent pas sur le bien que tu leur as fait. Ils se basent sur leur cœur. Ils se basent sur leur mauvais cœur. Ils se basent sur leur mauvais cœur.
Et l'homme mauvais cœur n'a rien à voir avec toi. Donc, éternellement, peut-être que je n'aime pas la seule personne que la mère a entre le gâteau caché. C'est une gâteuse d'enfants. Elle marche, elle gâte seulement les gens. Comme les sorcières Caraba, non. Caraba, la sorcière. C'est une gâteuse de gens. Donc, elle marche comme ça. Elle marche au quartier, chercher les enfants des gens qu'elle va gâter. Ah, maman Makta, ta fille vient de Belgique bientôt. Dès que ta fille vient de Belgique comme ça, là, elle est chez ta mère. Maman Makta le matin. Tu sors, tu la vois dans la, sur la véranda. Et si vous observez bien les femmes là, elles ont toujours un nez. Aïe, aïe, aïe. Tu dis à ta mère que maman, je ne veux plus voir la messe ici. Je ne veux plus la. Que c'est qui pour toi? Je ne veux plus la voir. Tu la chasses. Ah, tu fais quoi? Parfois, vous avez peur de les chasser en disant que vous, elle va aller faire la sorcellerie sur moi. De toutes les façons, hein, tu ne la chasses pas, elle fait la sorcellerie sur toi. Donc, bêta, tu la chasses. Tu ne la chasses pas, elle fait. Donc, bêta, tu la chasses. Vous êtes très simple, vous êtes très simple. Vous êtes toujours en train d'ouvrir votre cœur, vous ouvrez. La personne t'exploite. Et parfois, en ton absence, tu vois comment la personne parle de toi. Tu n'arrives pas à croire. Hein. Alors que je lui ai donné ça. Alors que je lui ai fait ça. Ma chérie, arrête. Arrête d'être bénable. Arrête. Une jeune fille est venue ici l'autre jour. Je commence à travailler sur elle. Elle tombe. L'esprit de sa grand-mère commence à parler. Là, le travail qu'elle fait. Quand elle dit que l'homme est mauvais, ce n'est pas parce que j'ai rêvé ou je suis resté. C'est une idée qui. C'est un fantasme. Non. La jeune fille est là comme ça. Elle ne se marie. Elle n'arrive pas à se marier. Son argent est bloqué. C'est sa grand-mère qui la bloque. Et sa grand-mère fait ça pour faire du mal à sa mère. Parce que sa grand-mère, quand sa mère est arrivée dans la vie de son fils, qui est le père de la jeune fille, la grand-mère n'était pas d'accord. Elle dit, tu vas voir. Donc quand la maman était jeune, elle a accouché, parce que sa fille a peut-être 23, 25 ans. Quand la maman était jeune, elle a accouché. Tu vois, quand tu es encore toute jeune, tu arrives dans une famille, tu as 20, 25 ans. Tu arrives dans une famille, tu as 20, 25 ans. Tu accouches, ta belle-mère vient et prend l'enfant. C'est quand elle a porté l'enfant à l'hôpital là qu'elle est partie envoûter l'enfant. Ta propre petite fille. L'enfant de ton fils. Si une femme peut faire ça à l'enfant de son fils, combien de fois à toi qui es la fille de telle personne au quartier? Dès que j'ai bloqué son argent, oui, personne ne va lui donner de l'argent. Personne ne va lui faire du bien. Dès que je vais lui donner un mari dans l'eau. Oui, elle ne peut pas un peu jamais se marier. Lui donner à un mari là-bas. Il dit que yay. Hey. Les femmes ont souvent les noms. Celle-là s'appelait Bernadette. Tu parles, après elle fait rire, elle fait ha 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 ha. Yes, Seigneur Jésus, la méchanceté, oh, oh, oh. Et elle dit aussi que oui, la femme a dit que elle avait, que quand la mère de la jeune fille était là, était encore plus jeune, elle avait proposé d'entrer dans la sorcellerie. La mère a refusé. Donc ce genre de belle-mère qui voulait, elle, tu arrives dans la famille du gars comme ça, elle veut t'initier. La mère a refusé. Je vous dis souvent que faites attention les familles dans lesquelles vous donnez vos enfants en mariage. Faites attention aux familles dans lesquelles vous donnez vos enfants en mariage. Ce n'est pas toutes les belles-mères là. Hé, je te prends comme ma fille. Viens ma fille. Il y a une comme ça là qu'on m'a dit. Elle a... Amgaga. Ok.
une comme ça. On l'a envoûtée. La belle-mère et le fils étaient de connivence pour pouvoir l'envoûter. Quand on l'a dotée, il y a un bracelet, un collier qu'on a mis sur son cou. Ils étaient allés travailler sur ça. Donc le jour de la dot, ils ont venu mettre sur la fille. Ça, c'était seulement pour sucer son énergie. Elle passait de maladie en maladie, maladie en maladie. Elle tombe malade. Et qui est? Un jour, sa famille se fâche. On la prend en cachette. Parce qu'elle était en étranger. Sa famille l'avait venue au pays en cachette. Que c'est trop. On part travailler sur elle. On fait le back to sender. Son mari reste dans leur pays là-bas. Il tombe, il meurt. Parce que la maladie, le dernier coup qu'on devait donner sur elle là, ça a fait le backfire. C'est venu sur lui. La mère reste, son fils est mort. Aïe. La mère alors lance maintenant son dévolu sur la fille. Que tu ne vas pas avancer. Rien ne va donner dans ta vie. Tu vas voir. Tu vas voir. C'est l'esprit de la mère là qui parle à travers la jeune fille. Et c'était même à distance. Elle est en train de travailler sur la distance. Elle est loin là-bas de l'autre côté. Loin. Moi, je suis ici. Je ne vais même pas dire les pays parce que vous connaissez. L'esprit de la mère parle que j'ai bloqué son mariage. J'ai bloqué. Comme mon fils est mort là, elle-même là, elle ne sera jamais heureuse. Et la mère dit elle-même, elle raconte que mon fils est mort, on l'avait déjà vendu. On l'avait déjà envoûté. Elle dit, voilà, on a donné le collier. Ouais, Seigneur. Vous savez quoi? Souvent, quelqu'un me dirait, tu parles, non? Et les gens qui écoutent, ils se disent que, ah, ça, c'est seulement les histoires. Il n'y a pas de problème. Avant, moi, j'étais aussi très. J'étais simpleton. Hein. Tu viens, tu me dis des choses comme ça, et tu dis que, ah, pardon, ça ne peut pas me prendre. Ça ne peut pas. Tu me dis, ça dit que, non, ça ne se peut pas. Hein? Ils ont commencé à monter ma part. Ils disent que, donc c'est ce que vous avez fait sur moi. Après, ils disent que, donc c'est ce que vous avez fait sur moi. Hey. Aïe, aïe, aïe. J'ai confirmé le code. Que non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Il est fort. Clara, bonjour. Mylène, lave-toi avec le sel. Toi qui dis que tu as besoin d'aide là. Paola, bonjour. Tu es arrivé à un niveau où tu dois être très 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 prudent. Fais très attention. Fais très attention aux gens. Et certains d'entre vous, votre étoile donnée aussi. Tu as déjà des filles que tu as eu la chance très tôt. Tu es allé en Bengale, tu étais encore avant 20 ans, tu étais en Europe. Tu es arrivé, tu as fait tes papiers, ça a marché. Tu as eu la chance, tu es tombé sur un blanc, il t'a épousé. Il était riche. Premier voyage en Afrique, on vous gâte. Pam. Problème. Tu fais l'enfant, le premier enfant, on garde même le premier enfant. Il y a même des familles, oui. Il y a des belles familles qui gâtent ton enfant. Étienne, bonjour. Stéphanie, bonjour. Juvette, bonjour. Quand on voit ton enfant, on prend l'enfant là, on le gâte. Et c'est leur fils. Quand ils sont là avec leur fils comme ça là, tu accouches. Il y a une là qui m'a raconté même une fois que le premier enfant, il a failli rester sur la table. Elle a failli rester sur la table. Et comme ils n'ont pas pu la prendre, quelques temps plus tard, l'enfant est devenu autiste. L'enfant est devenu autiste. Souvent, tu accouches, l'enfant est bien, il marche bien, tout va bien. Un jour, tu rentres un enfant à 3 ans, il ne marche plus. Il ne marche plus.
Ah, non, 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 non. Souvent, tu restes l'enfant bien à l'école, il est bien intelligent. Après, ta belle-mère vient faire un tour à la maison. Elle fait même 6 mois avec vous. La belle-mère part, les enfants deviennent têtus. L'enfant à l'école n'étudie plus. L'enfant, tu ne comprends pas. Et elle sait que ta mère est déjà morte. Elle sait que toi, comme tu es là, tu es simpleton. Oui. Parce qu'elle n'a pas oublié le fait qu'elle t'avait dit, elle avait dit à son fils de ne pas t'épouser depuis 15 ans là. Maintenant, tu crois qu'elle a oublié, hein? Tu crois qu'elle a oublié, non? Une lame même, j'ai consulté une autre dame l'autre jour. Et c'est comme si les femmes, les mères, les belles mères là, elles ont le flair. Elles savent détecter les femmes choisies. Donc tu as les dons. Tu as les dons. Tu ne sais pas. Tu sais seulement que souvent j'ai les rêves prémonitoires, je vois les trucs avant que ça arrive. Oui. Quand tu te mets avec son fils, tu vois souvent comment on est en train d'attacher son fils. Tu vois comment on est en train de le faire les trucs. Tu te réveilles, tu lui dis. Tu dis que je ne sais pas pourquoi, mais je vois souvent comment ta mère est en train de te faire du mal. Il porte aussi pas dire à sa mère, non. Sa mère étant une sorcière de depuis forme. Elle s'est dit, ah, la fille la voit. Parce qu'elle avait vu ton aura depuis. La maman, si. La jeune fille, elle s'est mariée avec son gars depuis, ça fait environ 7-8 ans qu'ils sont mariés. Il est venu la prendre au pays, il l'a amenée en bain. Bonjour Nova. Assis, c'est Babou, bonjour. Fabienne, bonjour. Il a pris la femme au pays, il l'a amenée en bain. Elle arrive là-bas, ils font 1 an, 2 ans, 3 ans de mariage. Ils sont bien, hein, tout va bien. Après, il reste soudainement, il dit qu'il n'est pas au pays. Il part, il a fait peut-être 6 mois au pays. Sa mère travaille son cerveau bien même. Dès qu'il rentre, il fait les papiers de sa mère pour qu'elle monte. Il ne dit pas à sa femme. Deuxièmement, il arrive, il demande le divorce, genre la séparation. Et qu'est-ce qu'on fait? On vient d'avoir l'enfant, l'enfant a 2 ans. Tout allait bien. Tu dis que c'est quoi cette affaire que tu dis que tu veux la séparation? Il peut au tribunal, tata, il met le tout. Il ne veut même pas savoir, il ne veut pas parler, il ne veut pas savoir. Ce n'est pas la belle mère atterrie. C'est la manipulation que tu veux voir. Parfois, ces femmes-là, elles n'ont pas eu des foyers heureux, des ménages heureux. Elles viennent pour gâter ta part. Fais très attention. Il y a une dame là que j'admire. Je sais pas, j'ai fini par l'admirer. À la fin, on ne blague pas. C'est un couple que j'ai observé de loin pendant des années. Depuis au moins 20 ans que je les connais. Sa belle famille ne l'a jamais aimé. Et quand elle a connu cet homme, elle était sa troisième conquête. À l'homme, non. Il a fait l'enfant avec une première personne. La famille n'a pas aimé la personne. Ils ont gâté le mariage. Il a fait l'enfant avec une deuxième personne. On n'a pas aimé la personne, on a gâté le mariage. Puis elle a rencontré la troisième personne. Et même là, spirituellement, elle ne blaguait pas. Elle n'était pas simpleton. Quand ils ont commencé à l'attaquer, elle-même là, elle a travaillé. Sa loi, sa politique dans son mariage, ça a été ceci. La maison, ma maison conjugale, personne ne passe. Même sa belle-mère, on peut compter le nombre de fois où elle est entrée dans sa maison, dans la maison de la femme-là. Les belles-sœurs, pareil. Aucune personne de sa famille, de sa belle-famille, ne passe chez elle. Lui, Hervé, parfois le fils couche avec sa mère. Ils ont des trucs... Vous serez surpris, des trucs dégueulasses qui se passent ici. Dehors. Donc la femme-là vous disait, elle disait cache. Quand vous, elle vous dit, même les enfants que le monsieur a eu avant, elle dit que... Passez pas chez moi. Que si tu viens chez moi, tu marches comme je veux. Tu veux pas marcher comme je veux, tu pars.
elle avait compris depuis longtemps qu'elle est à la guerre comme à la guerre. Elle dit que attendez-le dehors, mais quand il est ici dedans, c'est moi qui le contrôle. Elle vous disait ça cache Roha. Elle vous disait Roha. J'aime pas toutes les belles soeurs qui veulent ton bonheur. Ma BS, BSR. Olga, bonjour. Comment tu vas? J'espère que tes fils vont bien. Et vous serez choqués de voir. Parfois je me dis que comment est-ce que quelqu'un peut aller s'asseoir chez le marabout? Tu dis au marabout que bloque la femme de mon fils. Tu prends le courage où? Tu pars, tu dis bloque-moi telle personne. Je sais que vous avez souvent essayé ça avec moi. Vous essayez souvent. Oui, j'ai un homme là. Je veux le bloquer. J'ai dit que ma chérie, ne passe pas ici. Je veux le contrôler. J'ai dit ma chérie, ne passe pas ici. Comment tu peux t'asseoir? Tu ouvres ta bouche. Super. Ça fait plaisir de te lire, Olga. Tu ouvres ta bouche. Tu demandes qu'on attache quelqu'un. Tu dis qu'on fasse que les papiers de quelqu'un ne marchent pas pour qu'il parte en bain. Tu vois un homme et sa femme sont heureux. Tu pars, tu fais les pratiques pour tuer l'homme. Parce que tu veux que la femme la souffre. Il y a même des familles où ils tuent leur fils pour que tu restes veuve. Dès que tu es veuve, on prend la maison, on prend les voitures. Ah. Quelqu'un m'a même dit l'autre jour qu'il y a une famille là qui est partie déchirer la souche du mariage. La souche de l'acte de mariage. Déchirée. À la mairie, ils ont payé, on a déchiré. Ils sont maintenant partis sur le notaire contesté, dit que c'était un faux acte de mariage. Parce qu'ils voulaient sortir la femme de la maison, prendre toutes les voitures. Il dit, massa. Non. Même dans sa tombe, la personne va venir te poursuivre. Et la sorcellerie là, c'est pas compliqué. Ils sont autour de vous tous les jours. Bah, vous ne voyez pas. La sorcellerie commence par l'hypocrisie. Quelqu'un te voit. Eh, ma reine. Dès que tu pars. Elle peut me faire quoi? Hein? Ah, pardon. Souvent, tu parles, la personne fait la nonchalance. Tu parles, son corps pèse par les faits. Tu parles, la personne conteste ce que tu dis. Valérie, bonjour. Marie-Paul, bonjour. Et je vous ai dit que c'est quand tu ignores les petits signes là que ça grandit. Parce que quelqu'un qui ne t'aime pas déjà, qui est à côté de toi, quand il va voir, tu vas avancer tous les jours. Ton argent va augmenter. Ta faveur va augmenter. Des choses dont il est à côté de toi, il te fait le mauvais cœur, il reste au même endroit, tu montes. C'est ça qui fait qu'on tue les gens. Hein. Tu ne peux pas évoluer et prospérer devant tout le monde. Il y a des gens qui peuvent te tuer parce que tu es en train d'évoluer. Ils ont comploté, ils ont monté des employés contre toi, ça n'a pas marché. Ils ont fait ceci, ça n'a pas marché. Ils ont voulu faire ça, ça n'a pas marché. Tu es toujours en train de monter. Il y a le mauvais, quelque chose se construit dans leur cœur. Ça les énerve. Bonjour la reine Solem. Nina, bonjour. La reine Roland, bonjour. Et tu sais, avant, je me demandais que la jalousie fait comment. J'ai une amie.
Bonjour à toi, tu te connais, tu vas te reconnaître. Elle dit que la jalousie vient chez tout le monde. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de la jalousie là? Tu as peut-être ta belle-sœur qui vit chez toi. Personne la drague même parce qu'elle a un comportement bizarre. Elle vient, elle voit comment son frère t'aime. Comment vous vivez bien. Comment il... Hey, voilà le 14 février, qu'est-ce qu'il n'a pas encore fait? Il t'a même trouvé au lit avec les fleurs. Et elle vit chez vous en attendant. Elle est chez vous pour quelque temps. Maman, tu vas voir. Ce n'est pas devant tout le monde que tu dois être heureuse. Hey, mon bébé m'a acheté la voiture. Hey. Tu cherches les problèmes, mamie. Il t'a acheté la voiture, ma chérie. Ah, tu veux qu'on te tue? Ah, Tumba Mika a chanté que l'homme est mauvais. L'homme est mauvais. L'homme est mauvais. Et c'est... C'est pas tout le monde qui doit être à côté de toi quand tu évolues. Non. Il y a des trucs de chaque jour qui vont voir, ça va les énerver. Ça va les énerver. Ton mari se lève, bon bébé, tu veux quelque chose? Elle a besoin de quoi? Bon, laisse là-bas. Souvent, mon père parlait comme s'il blaguait. Mais ça, c'est que c'est trop fort sur eux, leur cœur ne peut pas se retenir. Tu vois, ton mari est attentionné. Il est attentionné. Vous arrivez quelque part, il tire la chaise, tu t'assois. Et tu as besoin de quelque chose d'autre. Voilà les petits faux trucs comme ça. Hein. On te déteste pour rien, gratuitement. Ton nom se retrouve chez le marabout. Tantôt, on m'a même dit que tu as envoûté ton mari. Tu as allé travailler sur lui, tu as fait le tobassi. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Souvent, tu restes comme ça, non? Tu avais une amie. Ton gars appelle. Peut-être que c'est sur haut-parleur. Tu entends leur conversation. Ils sont tellement amoureux. Ça te pince un peu le cœur. Tu vois, la jalousie fait un peu un jaja. Et chaque fois que vous êtes ensemble, ou quoi, chaque fois que tu vois son mari, ou bien, c'est toujours la même chose. Donc, genre, c'est toujours, tu vois, c'est tout ce genre d'amour que tu as envie là. Oui. Parfois, il reste comme ça. Quand ça me pique un peu le cœur, je dis que, hey, si moi qui fais tout l'effort d'être content pour tout le monde, je peux voir un truc qui est bien comme ça, ça me pique un peu le cœur. Combien de fois quelqu'un qui est vraiment méchant? Tu vois ce genre de personne qui est méchant là, non? Jacques, pour la personne là, c'est que tout le monde doit être malheureux. Ta belle-mère même souvent, vos belles-mères là. Elle vient chez toi. Ton mari se lève le matin. Bonjour bébé, voilà. Tu fais son petit déjeuner, tu mets à table, il mange. Ah, il te fait un petit bisou. Elle est là, ça l'énerve. Faites attention à qui vous laissez dans votre foyer. Faites attention aux personnes qui viennent, qui ont le droit de voir votre bonheur quotidien. Faites attention aux personnes qui ont le droit de voir que vous êtes heureux. Parce que c'est mieux parfois que les gens croient que vous souffrez. Oui. C'est mieux que les gens croient que... Ah, Jocelyne, pendant qu'elle souffre, sa vie n'avance pas. Oui, je préfère. Jeanne, bonjour. Adjara, bonjour. Oui. Il y a les gens qui ne doivent pas savoir que tu es heureuse. Jusqu'à la personne reste voir que tu as acheté un nouvel habit. La personne reste voir que tu es en train de planifier partir en voyage. Non, il y a des gens qui ne doivent pas savoir. Parce que l'instant où ils savent là, tu deviens maintenant sous les feux des projecteurs. Donc elle est maintenant mal parler de toi. Elle manipule son mari dans la maison là. J'avais l'avais vu vraiment. Il souffre. Le matin, est-ce que tu sais que c'est même lui qui fait le petit déjeuner?
Parce que tu as permis à la personne. Elle est arrivée dans la ville peut-être. Elle n'avait pas un endroit où dormir. Et tu as 5 chambres chez toi. Tu n'as rien à faire avec. Mamie, viens dans une chambre. Non, ça ne me dérange pas. Comme tu l'amènes chez toi là, tu veux qu'elle économise 200 000 pour ces 5 jours ou 10 jours qu'elle devait faire à l'hôtel. Tu es en train de prendre le couteau, tu mets sur ta propre gorge toi-même. Et quand les gens vous montrent qui ils sont, croyez-les. Quelqu'un te montre son caractère, crois-le. N'essaie pas de te dire que bon, voilà, elle va peut-être changer. On attend pour voir si elle va changer. Non, la personne n'a pas changé. La personne ne va pas changer. Pour vivre heureux, vivons cachés. La personne qui a dit ça a bien dit. Parfois, tu trouves un bon boulot. C'est pas tout le monde qui doit même savoir qu'on te paye bien. Ah, elle est petite comme ça là. Tu as le bac. Moi, j'ai la licence. Comment tu touches plus que moi? C'est tout, hein. C'est tout. Voilà comment on te déteste. Voilà l'objet de ta haine. Mais pas tu as déjà l'argent. Tu veux nous montrer que tu as l'argent. Oh. Non, faites très attention. Faites très attention. Et le but de ce direct, c'était que il ne faut plus que les gens là vous fassent vous sentir mal. Les gens ne doivent plus vous faire vous sentir mal. Si tu décides de dire que tu enlèves telle personne à côté de toi, on ne doit pas te faire te sentir mal. C'est ta décision. C'est ta décision. J'étais à héberger nos mamans. Tu as fait 6 mois chez moi, non? Cherche-toi maintenant. Je ne suis pas ta mère. Cherche-toi. Je vais être heureuse dans ma maison. Cherche-toi. Bonjour, madame. Cherche-toi. Et comme tu parles comme ça, je ne culpabiliserai pas. Hein. Mon cœur est en paix par rapport à toi. Mon cœur est en paix par rapport à toi. Je ne me sens pas mal. Je me couche, je dors bien. Tu vas voir que tu vas rester, l'atmosphère dans ta maison va revenir. Parce qu'il y a souvent, écoutez, les gens ont souvent un air mesquin. C'est quand tu as souvent les points avec ton mari que tu vas comprendre qu'il y a une certaine période où il n'était plus trop doux avec toi parce que quelqu'un venait lui dire les choses à propos de toi. Il ne comprenait pas. Genre, tu lui dis que je suis en train de partir, j'arrive à besoin à 18h. Ou bien je suis arrivé ici à 18h. Après, je suis sorti à 20h pour aller à la réunion. Il rentre à 20h30. Il dit, ah, la mère est partie. L'autre personne dit, elle est venue, cela. Elle n'a même pas duré. Elle n'a même pas préparé un truc pour les enfants. Hein. Elle n'a même pas... Tu vois, il y a une façon d'inciter quelqu'un à se fâcher. Alors que tu as parlé avec ton mari, tu lui as dit que bébé, tu connais que tous les mois, je pars à ma réunion à tel moment. Mais comme la personne a vu, en sortant pour aller à la réunion, tu t'étais bien habillé. C'est pour ça que ça l'énerve. Hein. Elle s'est bien habillée pour partir à la réunion. Ok, j'attends son mari cela. J'attends son mari cela. Oui, elle est venue, les enfants avaient faim. C'est même moi qui préparais pour les enfants. Hein. Après, dis-moi, elle disait seulement. Tu rentres, tu vois ton mari est fâché. Je dis, ah, mes chéris, c'est quoi? Il fait, il laisse un peu. Les petits trucs là, ça va s'accumuler. Un jour, deux jours, trois jours. Après, ça va commencer à faire des vrais problèmes entre vous. Parce qu'il y a quelqu'un qui vient chaque jour mettre un petit sable dans votre bouillie. Un petit sable dans votre bouillie. Un petit sable.
La mesquinerie, c'est quelque chose que j'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. J'ai horreur. Il y en a qui ont réussi à gâter votre foyer comme ça. Ils ont gâté votre foyer. À cause des petites paroles, le malentendu. On vient, on te dit quelque chose, on peut en lui dire autre chose. J'ai quelqu'un qui était proche de moi qui m'a gâté avec un employé comme ça récemment. La personne allait lui raconter des mensonges à mon sujet. C'est peut-être 2 mois plus tard. La personne a parlé, s'est confiée à une autre personne. Et cette personne est venue me dire. Il dit que c'est sorti de la bouche de telle personne. La personne dit oui. Que c'est ce que cette personne est partie lui dire. Il dit waouh. Et comme la personne était proche de moi, évidemment que dès que quand tu vas dire ça, on ne va pas hésiter à croire. Mais elle porte souvent dans sa voiture, non. Il passe souvent chez elle, il mange, non. Il boit même la bouffe, non. Donc s'il vient dire, viens vous raconter ça sur elle, ça veut dire que c'est vrai. C'est qu'elle a vraiment dit ça. Elle a vraiment fait ça. Tant que tu le saches. Faites attention. Faites attention. C'est pas tout le monde qui mérite d'être à côté de toi. C'est pas tout le monde que tu portes dans ta voiture. C'est pas tout le monde qui a le droit de savoir même là où tu vis. De savoir qui est chez toi. Oh. Ils vont venir, tu vas aller dans ton frigo, prendre la nourriture, décongeler, faire frire. Ils vont manger, ils vont rire. Ils vont aller te faire te poignarder. Je vous dis. Mangez ta nourriture bien là. Après, ils vont aller te poignarder. Parce qu'ils ont vu 30 jours sur 30. Tu peux manger la viande chez toi si tu veux. Tu peux manger le pot. Quand ils arrivent, ils voient le menu que tu fais chez toi chaque jour. C'est au moins 10 000 francs le repas. Au moins. Ça veut dire que c'est 10 000 par jour. En 10 jours, ça fait 30 000. En 20 jours, ça fait combien? Sans compter que tu te lèves au restaurant, tu dis que allons au restaurant. Vous partez chez Paul, vous mangez 20 000. Alors que tu as mangé, tu as préparé 10 000 à la maison. Tu viens de manger 20 000 avec lui. Le soir, il t'amène en boîte, tu dépenses 50 000. La fille, là, son argent ne finit pas. Voilà, c'est vous, hein, c'est vous qui faites qu'on vous déteste. Parce que vous ne souffrez pas. Mais là, c'est pas tout le monde qui doit me savoir que tu ne souffres pas. Ah. Souvent, tu parles à l'hôpital. Aïe, 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 je vais vous montrer une scène d'amour. C'est là terrible. Attendez, je vais vous montrer une scène d'amour. Regardez. Regardez-moi ça. Vous voyez. La poule est en train de faire. Elle fait la Saint-Valentin avec son coq. Si elle m'approche, je sais qu'il va fuir. Je ne veux pas m'approcher. Monsieur le coq est assis. Sa femme est en train d'arranger son plumage. Oh non. Elle est sérieuse. Elle. Vous voyez. Elle a fini. Il est à l'aise. Le massage est fini, il se lève. Je sens que c'est sa meilleure femme ici là. Alors qu'il a d'autres femmes, mais voilà une autre femme là-bas. Ah.
à Saint-Valentin dans la course et aujourd'hui là ce sera grave. Bon, vous vouliez voir les oiseaux tout à l'heure, non? Non, c'est pas Anatole, mamie. Je n'ai pas moi nommé celui-ci. Quand il nomme les coqs, il meurt, ça m'énerve. J'aime pas Anatole. Anatole était mort, non? Depuis mars de l'année passée. Moi, je savais ces femmes. Voilà les oiseaux là-haut là-bas. Ils sont dans le. Et voilà. Je ne sais pas si vous pourrez voir. Ils sont pleins dans l'arbre. Vous voyez ça. Voilà les nids. Chacun a sa mangue, parce que les oiseaux aiment trop la mangue apparemment. Donc quand le mangue s'y produit là, il mange ça qu'en haut là-bas. Bonjour reine. Donc ça c'est le marché Mokolo. Il bavarde. Il y a cela 3 mois, il n'avait pas le temps d'oiseaux ici là. J'ai voyagé, je suis revenu, j'ai trouvé, il était plein dans l'arbre ici là. Avec les nids. Il peut nettoyer la course là même 5 fois par jour. Regardez. On a balayé ça, ça fait même pas 2 heures de temps. Ils ont installé. Les nids tombent chaque jour. Bon, je vais vous laisser maintenant pour que j'aille travailler. J'aime le chant des oiseaux, Clarisse. Il pouvait venir ici l'autre jour, elle avait même mal à la tête. Elle me dit que les oiseaux sont trop bavardés, que c'est comme si le marché. Le marché Mbopi. Il bavarde. Que je vais rire, Roland. Toi là, je te connais. Ah, toi là. Bon, je vais vous laisser pour que j'y aille. Passez une bonne journée.